Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Il fait froid, je vous garantis. C'est une dinguerie. Aujourd'hui, nous allons faire une rue toute sympatoche qu'on avait vu. La lanterne solaire réfracteur en B125. On va regarder tout ça. Je ne sais pas si elle a allumé ou si elle est cramée, j'en sais rien. Donc, il fait froid, on a du mal à respirer en plus. Donc, du coup, on va pouvoir commencer, ça fait plaisir. Bon, déjà, non. Ce n'est pas une BF là-bas. Alors déjà, nous avons ici, ah chienne, PF poupelle, là du coup, on a la fameuse Junior ou Malaga, je crois que c'est une Junior, là, on a une petite Junior toute sympatoche, là les stories, et là on a une poupelle, je sais pas si là, la phase est entièrement fonctionnelle. On va tester, on va voir. Parce que moi, apparemment, je vois pas d'autre sodium. Si c'est trop lumineux, c'est trop éteint. Bon, ouais. Hop, allez. C'est mis directement en phase de nuit. Alors, apparemment, c'est bizarre parce que les autres lanternes ne sont pas allumées. Donc ça, c'est vraiment bizarre. Alors, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez compliqué. Oh, ouais. La phase, elle est sautée. Bon, j'essaie de faire en sorte d'avoir de la lumière, mais là, c'est compliqué. Là, ce diode, elle est cramée. Par contre, ah non, ça va. On a la BF qui est cramée. Ah non, ça va. En fait, on a une sodium décramée et une BF décramée. Donc, purée, ça éclaire vraiment pas. Pauvre. Ah oui, c'est le ballast, celle qui était cramée. Celle que le ballast avait pris feu. Je m'en rappelais plus. Là. Ah si, il y en a toujours une d'allumée, là. Ah oui, c'est la solaire. La solaire en BF. Là. Donc là, on repasse au mode normal. Paf. C'est bien comme ça. J'ai trouvé le moyen de faire éclaircir le ciel. Donc du coup, c'est plus facile de faire sombrir ou machin, c'est une très bonne idée. Donc du coup, alors, donc là on a deux petites saphirs des familles. J'ai hâte de savoir si la BF est toujours allumée, mais je ne vois pas d'ici. Ah, apparemment si. Ah bon. Ah, chienne, PF poupelle. Il y a plein de BF qui crament en ce moment. C'est une vraie dinguerie. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir tout le restant, les BF qu'il y avait. Alors justement, dans la vidéo, je ne savais pas. Mais la macadam qui est là-bas, c'est une macadam P en BF. Je suis sur le cul. Ouais. Ah, c'est qu'il y a vraiment pas des masses, hein. Voilà. Alors, j'attends que les gens y passent. Je m'en fous. Ah, en fait, ouais, d'accord. Ok. Toutes les BF sont cramées. Ok, d'accord. Je ne savais pas. Là,
Je remets en mode de nuit, voilà. Là, alors les 3 BF sont cramés. Alors ça c'est compliqué. Par contre, une principale que je voulais savoir, c'est celle-là. Voilà, celle-là. La réfracteur en BF qui n'éclaire à rien du tout. Ça éclaire à rien. Mais rien du tout. Oh la vache. Une puissance inégalée. Oh la vache. Une BF-125 dans une réfracteur qui n'éclaire à rien. Alors je sais pas où est-ce qu'elle était celle-là avant. Mais il n'y a pas de réfracteur ici. Alors je sais pas où est-ce qu'elle était. Mais c'est vraiment chelou. Ouais, je ne sais pas du tout. Bon, on va rejoindre là-bas, parce que c'est lumineux là-bas. Et hop, on va pouvoir se laisser là-dessus. De toute façon, c'est en mode nuit, donc on voit un petit peu. Ah, des chiens, tout le bordel. Franchement, on a une petite commune dans le fond. Mais il n'y a rien. Rien n'est éclairé. J'imagine les gens qui habitent là. Dans un trou noir. Là par contre, je vais regarder. Parce que ça me paraît fourbe. De se dire qu'à mon avis, ça gèle. Regardez sur la voiture. Est-ce que ça gèle? Ah bah oui, ça gèle. Bah oui, ça gèle. Bon, on va se laisser sur cette petite note de fraîcheur. Bref, on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, on voit bien que toutes les BF, les VM en question, il n'y a plus de BF. Tout est cramé. Hein, c'est pas faux.